Waking up dead inside of my head, we'll never, never do. There is no med, no medicine to take. I've had a chance to be insane asylum from the falling rain. I've had a chance. Les rayons noirs, ça porte un autre objet. Alors, à votre avis, oui, entrez. Bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour. Je m'excuse de déranger votre cours. Voici une nouvelle élève. Émilie Lefebvre, qui va intégrer votre cours cette année. D'accord, très bien. Ah, tu peux t'installer. Installe-toi où tu veux. Allez, on reprend. Ça va, on attend. Donc, il le détourne et ça devient un objet artistique. Est-ce que vous connaissiez déjà l'œuvre ou pas? Elle a un opening. Alors, tes nouvelles envies? Oui, on vient d'emménager. Mon père a une promotion. Ah, ok. T'habitais où avant? À Bordeaux. Dis-moi, c'est quoi c'est... ces étiquettes sur vos points? C'est bizarre. Bah, en fait. Mathieu, tu suis court un petit peu. Allez, donc on était sur Marcel Duchamp. Donc l'objet. L'objet. Et voilà, après les profs ils se rendent pas compte, je crois, c'est hyper lourd. Hein, bah, ils ont été laids, mais c'est génial. Salut. Salut. Je peux me poser avec vous? Ouais, vas-y. Moi, c'est Sarah. Émilie. Il paraît que t'es nouvelle au lycée. Tu t'y plais? Je sais pas trop. C'est. Je sais pas, y a quelque chose de bizarre ici. C'est complètement différent de mon ancien lycée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tu comprendras, t'inquiète. Fais attention à tes fréquentations, la nouvelle. Tu pourras le regretter. Allez, venez les filles, on se casse de là. Attends, je comprends pas c'est quoi ce délire. Laisse tomber, de toute façon c'est qu'un groupe de pétasses sans aucun intérêt. Et toi? Quoi, qu'est-ce que ça? C'est Guichy? Ouais, Mathieu m'a parlé de toi. Cool, donc pas besoin de faire les présentations. Remarque, tu me connais pas dans ce lycée. C'est pourquoi je suis là. Non, et franchement je m'en fous carrément. Oh, tu parles à qui là? Faut que je te donne ça. C'est quoi? Un mot maintenant, tu devrais le mettre tous les jours au lycée. Si je refuse? Écoute, ça marche comme ça ici. T'as été mise à l'épreuve toute la journée, on t'a regardé, et puis on t'a mise dans une catégorie. Je t'avais prévenu de faire gaffe à tes fréquentations. Allez, salut. Y'a pas grand-chose à expliquer, tu sais. C'est que des préjugés. Des gens qui se croient supérieurs aux autres et qui se permettent de nous coller ces étiquettes pour nous démarquer des gens fréquentables. C'est une échelle sociale, si tu veux. Et qui est au sommet de cette échelle? C'est les toutous de la reine Léa. Les plus hypocrites de tous. Mmh. Ils sont capables de se sourire et se dire des mots d'amour, et l'instant d'après, des coups de couteau dans le dos. Après, t'as aussi les intellos. Les intellos, eux, c'est les rares qui font passer leurs notes avant leur réputation. Faut pas chercher, toujours à failloter auprès des profs. Et si t'es vu avec eux... Mais y a pas que, tu sais. Y a les gays, les geeks, les choubabs, y'en a plein d'autres. Et nous alors, on est quoi? Nous, on est des solitaires. On n'a pas beaucoup d'importance à leurs yeux. Alors ils nous jugent comme solitaires, même si c'est pas vrai. Regarde, je traîne bien avec Sarah et maintenant avec toi. Mais on est jugé comme solitaires, alors on devient invisible à leurs yeux. Attends, mais c'est n'importe quoi! Personne devrait avoir le droit de nous dire qui on est! On est des adolescents, on cherche constamment. Comment tu veux que des inconnus sachent qui on est alors que nous-mêmes, on le sait même pas? Les populaires, c'est juste des gens qui cherchent à couvrir leurs complexes en rabaissant les autres. Je pense que ça doit cesser. Comment tu vas faire ça? Je sais pas, mais je vais pas passer 2 ans de ma vie à être considérée comme une solitaire alors que j'en suis pas une. Quoi? Ça t'énerve pas que des gens... Mais bien sûr que si, ça m'énerve! Mais je t'ai dit, y'a rien à faire! Y'a rien à faire! T'as juste à supporter 2 ans qui viennent et à garder ça sur le front. Non, non, attends, y'a forcément une solution. T'as qu'à l'enlever ta putain d'étiquette! Non, désolé, Mie, je peux pas. Regarde ce que ça fait de se rebeller.
C'est quoi ça? Ne laisse pas parler les étiquettes, mais n'importe quoi. Hein. Je parie que c'est cette garce d'Emily. Elle va me les payer. Il y a 3 jours, et t'essaies de t'imposer. Et toi, qu'est-ce qui te permet de me juger, moi et les autres? Tu te crois sur un piédestal sous prétexte que t'es belle? Mais regarde-toi, tu ressembles à rien. Attention, Emily, je te conseille de pas me pousser à bout. Et sinon quoi?